Salut les amis, salut tout le monde, bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique. Avant de commencer, nous tenons à vous rappeler que ceci est une vidéo juste à titre informatif et non pour inciter les jeunes Guinéens à la haine. Raison pour laquelle nous allons vous prier et vous demander de rester très courtois dans vos commentaires. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tour du côté de la Guinée-Conakry où des graves révélations sont faites. D'après certaines personnes, Claude Pivi serait toujours à Conakry et protégé par Alpha Condé. On s'est posé la question à savoir comment M. Claude Pivi a fait pour s'évader très spectaculaire de la maison centrale de Conakry. Alors la réponse est en fait très simple. Claude Pivi a reçu une aide d'une très immense importance. Si Alpha Condé veut faire évader n'importe qui de la prison, cela doit être possible car Alpha Condé a dirigé ce pays depuis 2011. Il maîtrise tous les points et reprend les systèmes policiers. Il connaît toutes les procédures. Raison pour laquelle l'évasion spectaculaire de Claude Pivi a été organisée et a été facilitée. Beaucoup de personnes pensent que Alpha Condé a financé même entièrement l'évasion spectaculaire de Claude Pivi et que Claude Pivi travaille entre autres pour le président Alpha Condé. On se pose donc la question à savoir pourquoi Alpha Condé a décidé de faire évader Claude Pivi. Alors les raisons sont de plus en plus ambiguës. Mais nous reviendrons en ce qui concerne cette réponse dans nos prochaines dépêches. Mais nous pouvons vous confirmer bel et bien que Alpha Condé, malgré le fait qu'il a été renversé du pouvoir, a toujours une très grande influence au sein de l'armée guinéenne. Raison pour laquelle les policiers et les gardes pénitentiaires n'ont rien fait. Certains ont même ouvert la porte. On comprend que ce qui s'est passé était quelque chose de très grand. Et Alpha Condé a cette capacité. Car beaucoup des militaires et gardes pénitentiaires étaient des hommes nommés par Alpha Condé. Tous ces hommes étaient des hommes de confiance du professeur Alpha Condé. On comprend donc que Claude Pivi a eu raison de s'évader de façon très spectaculaire. Et bien les amis, c'est ici que prend fin ce tout petit bulletin d'information. Restez abonnés, restez à la chaîne, partagez avec vos amis si vous la trouvez intéressante. À très bientôt.